suivez ? Vous avez de la chance, vous avez les vraies loges d'artistes. Vous êtes bien vus. Oui. Salut ! Ça va ? Bonjour. Ça va ? Les filles, les garçons. Ça va les filles ? Oui. Ouais. Bon, vous avez votre loge à vous, là. Les stars. Comme j'expliquais aux garçons, les filles, on est derrière la scène, ici. Je vous rappelle, la dernière fois, quand vous êtes venus, vous étiez face à la scène, on était dessus, ok. Et là, on se trouve derrière. Donc, on part d'ici, on part des loges, et on va faire comme si on rentrait sur scène pour de vrai pour le concert, ok. Et regardez ce qui va pas, est-ce que ça fonctionne bien ce qu'on a travaillé, est-ce qu'il faut adapter les choses, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, voilà. De derrière, monte en premier. Ok, c'est le groupe 1 qui passe en premier. 1, 2, 3, 4, d'accord? Ça va aller? Nicolas, c'est clair ou pas? Ouais, et c'est le groupe 1 qui part. D'accord? Alors, ce bruit-là, si vous faites ça pendant le concert, tout le monde va l'entendre. Il y a des micros partout. Hein. C'est tout bon? Tout le monde se souvient de sa place? Oui. C'est génial. Eh, vous êtes magnifique. Regardez maintenant dans l'ordre, Gaëlle. Salut! Ça va? Ça va être trop cool, j'ai hâte! Ouais. Alors, ce qui va se passer, vous allez avoir un couloir derrière la scène, vous allez tout droit. Vous prenez l'escalier qui est à droite. Ok? Vous suivez le couloir et vous allez vous retrouver sur la scène. Et vous allez devoir rentrer sur la scène et monter sur les praticables. D'accord? Le premier, il faut qu'il soit de ce côté du scotch jaune. Allez. Voilà. Pas trop non plus. Hein. Donc là, le morceau, c'est Je m'envole. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le présenter? Oui. Alors, oui. Vous parlez bien près du micro. Approchez-vous. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Ouais. Je m'appelle Ronan. Et je fais partie de la classe de CE2 CM1 de Jussey sur Ouche. Comme la classe de CM1 CM2 de Jussey et celle de CM2 de Malin, nous avons écrit et composé deux chansons avec l'aide de deux artistes, Lou Di Franco et Jérôme Broyer. Jeanne, veux-tu bien nous en dire plus, s'il te plaît? Bien sûr, nous avons travaillé, répété, trouvé des chorégraphies et nous sommes heureux de vous accueillir ce soir dans cette superbe salle de spectacle qu'est La Vapeur pour vous présenter notre projet. La première chanson s'appelle « Je m'envole ». Elle parle du voyage, de l'aventure et de l'enfance. Bonne soirée. Merci, bravo, c'était magnifique. Vous êtes trop cool. C'est trop bien, je suis émue. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est Sam qui va nous donner le départ, ok? Et ce projet nous a permis de nous souder. Je me suis aperçue que j'avais un groupe qui était très très soudé et on a pu travailler ensemble, échanger sur plein d'idées, construire ce projet qui est vraiment bien. La part de l'écriture, de l'expression écrite a été très importante avec Lou et Jérôme. On a pu à partir de là travailler les textes, travailler sur la métaphore, travailler sur les rimes, sur le nombre de syllabes, on a joué avec les mots. Et puis, chanter ensemble et chanter juste. Et ça, j'ai vu les progrès au fur et à mesure des répétitions. Ça va être mémorable pour eux. Hein. Je pense qu'ils vont s'en souvenir toute leur vie. Je pense qu'ils vont être heureux de leurs prestations et tout ce parcours qu'on a fait ensemble tout au long de l'année.
Moi, je suis hyper, hyper, hyper contente parce que là, vous allez voir, on a, en fait, on a passé une année entière à travailler avec vos enfants. On les a vus en classe. On a vu comment ils sont. En plus, c'est marrant parce que souvent, c'est des enfants dont on connaît les parents. Donc, on pouvait vous raconter ce qu'ils faisaient. Et franchement, ils ont été cool parce qu'ils ont écrit des super belles paroles. Et vous allez les écouter maintenant. C'est la classe de CE2, CM1 de JC. Donc, je vous laisse avec eux. C'est vraiment un projet intéressant parce que les enfants, ils écoutent des chansons, mais ils n'ont aucune connaissance du processus en amont, la création de la chanson et puis aussi tous les métiers du spectacle qui sont autour. Et ce soir, c'est vraiment l'occasion pour eux de voir tous ces métiers. La composition des chansons, ils l'ont trouvé vraiment très intéressante. Ils ont vraiment adhéré. Pour le chant lui-même, c'était plus difficile. C'était vraiment un travail important de respiration. Et une fatigue importante au bout de quelques minutes de chant. Mais voilà, ils ont su surmonter cet obstacle et on est tous très fiers de leur travail ce soir. Bon, en fait, ça y est, c'est le moment d'accueillir la deuxième classe. C'est mes voisins. Et ben, avec eux aussi, ça a été un énorme plaisir. On s'est bien amusés. En plus, ils sont beaux, là. Là, vous êtes beaux, les Malinois. C'est normal, c'est les Malinois en même temps. C'est normal. Bien sûr, bien sûr. Ben alors, bien sûr. Oh.
c'est un projet d'écriture de texte qui nous a été proposé par Lou, la communauté de communes. Et donc on a créé ces deux chansons avec les élèves. Et après, travail sur le chant, la chorégraphie, et pour aboutir à ce concert ce soir. C'était une grosse surprise pour eux de voir tout le travail que c'était en fait de faire un concert, enfin tout ce qu'il y a en amont du concert, et donc tout le travail que ça a été d'écrire ces chansons, et après tout le travail des techniciens autour, tout ce que c'est le fonctionnement d'une salle de concert, parce qu'ils ont pu la visiter, ils ont pu rencontrer les gens qui travaillent à la vapeur, et donc ils ont découvert tout ce monde-là qui était complètement inconnu pour eux, et ils ont découvert que c'était des vrais métiers, et qu'il y avait plein de gens qui travaillaient beaucoup pour ça. On est venu chanter avec nous, l'école et la maîtresse, Dorothée. Là, elle est là, la fille. Pour venir chanter à la vapeur devant les parents. On a répété souvent, une fois qu'elles étaient finies, et ben on a répété souvent les musiques. Et puis, on a appris plein de choses. Il faut savoir tout, comment ça se déroule et tout ça. J'ai découvert des nouveaux métiers. Il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionné, la grandeur des coulisses, des choses comme ça. On a visité la vapeur pour savoir où on va se mettre dans les loges. On a visité le club, la scène, et on a eu un mini-concert. Là, c'était bien. Bonsoir, nous allons maintenant vous présenter notre deuxième chanson. Nous l'avons appelée « Fichez-nous la paix ». Elle parle de tout ce qu'on voudrait changer dans notre vie et dans le monde. Bonne fin de concert.